Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici Jaco pour vous servir. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre série sur Pokémon Volt White 2 Fusion. J'espère que vous allez tous agréablement bien. La dernière fois on s'était... Non ça allait, on a affronté Inezia et grâce à Victoria, on a été victorieux justement, c'est bien, elle porte bien son nom. Et du coup on a obtenu effectivement le badge d'Inezia, notre quatrième badge. On avance, ça se complique hein, sincèrement ça se complique, Ouais, va falloir qu'on ait un peu plus de chance sur les Pokémon, parce que ouais, capturer des Pokémon qui ont pratiquement tous le même type, ça devient un peu chiant, et ça va vraiment nous embêter pour la suite, donc vraiment, va falloir qu'on chatte un peu plus. En tout cas, en parlant de nouveaux Pokémon, et en parlant de nouveaux Pokémon qui en plus ont les mêmes types, et ben j'en ai trouvé un autre. Effectivement, dans le précédent épisode, je vous avais parlé de Meloetta, ça y est, j'arrive à le prononcer, je vous avais parlé de ce Pokémon qui se trouvait au Music Hall, et en fait, j'y ai réfléchi, et je me suis dit, en fait, Jaco, c'est débile, pourquoi est-ce que tu ne le capturerais pas, et avec certains outils tu ne réduirais pas ses levels, et c'est exactement ce que j'ai fait. Donc oui, je vous présente, eh bien, Melody, les amis, voilà, la petite Meloetta, oui, j'ai pas d'originalité sur les prénoms, on peut le dire, qui est du coup maintenant level 38, en plus hardy, elle a simple, le Pokémon est sujet à des variations de stats, elle a des stats insane, sincèrement, bon, c'est un les fabuleux, donc c'est normal, Shock Psy, Chantic et Vampipon et Acrobatie. Elle n'avait pas Chantic de base, je suis allé voir le gars qui normalement lui donne, et comme c'est pas un Pokémon d'event, et ben il a pas pu lui apprendre, mais bon, pour la beauté du geste, je lui ai fait apprendre, comme ça on aura sa seconde forme, vous verrez, qui a la particularité de la transformer non pas en Pokémon vol psy comme elle l'est actuellement, mais vol combat, et du coup, elle a plus d'attaque que d'attaque spéciale, comme on peut le voir là actuellement. Donc c'est pour ça que c'est cool, parce qu'en plus, elle a Vampipon et Acrobatie, donc c'est vraiment parfait, et pour son plan spécial, elle a Shock Psy. Le truc que j'ai réfléchi, c'est qu'elle a simple, et simple, pour celles et ceux qui ne savent pas ce que ça fait, c'est que par exemple, si j'utilise Plénitude, c'est un cran d'attaque spéciale, un cran d'attaque de défense spéciale, pardon, et bien là, simple va augmenter, va doubler en fait. Donc si je fais Plénitude, et bien je vais gagner plus 2 en attaque spéciale et plus 2 en défense spéciale. Donc ouais, il va falloir qu'on regarde un peu mieux comment ce Pokémon fonctionne, parce que là actuellement, je ne profite pas de son talent qui est juste insane. À vrai dire, ça serait un peu compliqué d'avoir... je sais pas, j'ai regardé, il faudrait qu'elle ait croissance, mais je pense pas qu'elle puisse la prendre. Croissance, ça augmente un cran d'attaque, un cran d'attaque spéciale, ce qui serait parfait pour elle, vu qu'elle est sur les deux plans. Mais je commence à me dire que c'est peut-être une mauvaise idée, ça serait peut-être plus intéressant de la mettre uniquement sur le plan spécial, de virer champ antique, du coup, ne plus pouvoir utiliser sa seconde forme, et à la place, mettre une, je sais pas, genre Plénitude, voilà, qui augmenterait du coup sa attaque spéciale. Ça serait parfait, je trouve. Mais bref, en tout cas, on n'en est pas encore là. Là, pour l'instant, elle est plutôt pas mal. Donc, on va rester avec ça. Tout le monde a un peu monté de level. Sauf Jean-Paul. Pourquoi? Bah, parce qu'il va évoluer. Tout simplement. Il est à un niveau d'évoluer. Donc, j'ai pas voulu le faire plus XP que ça. Par contre, Phil aurait dû évoluer au level 38. Mais je me suis chié. Du coup, bah, elle a un niveau de plus. Mais bon, voilà. Enfin, bref, on va... Vous allez voir, elle devrait pas tarder à évoluer normalement, parce qu'effectivement, on a un dernier combat à faire avant de quitter cette zone, et c'est le combat d'Adrienne. D'Adrienne, je sais jamais son prénom. Voilà, Adrienne est là, c'est parti les amis, on commence direct, comme ça on perd pas de temps. Combat de champion, ça va saigner, ça va faire mal, je m'attends à ce qu'elle ait des Pokémon feu, donc c'est pour ça que Phil est devant. Bref, sans plus tarder, c'est parti! Ah, wow, Nimbaza City, so large, it's like a constant eruption. Speaking of which, you look like a Pokémon trainer, if I'm correct. How about we exchange some super hot move? Yeah, I love Pokémon, and more importantly, I love to battle. Typical français qui parle anglais. Ok, allez, c'est parti, en tout cas, j'espère que vous passez une excellente journée. J'espère qu'elle sera encore mieux en ma compagnie. Minomanoa, ok, qu'est-ce que c'est que ça? Oh! Minotop et à flamme à noir. Waouh, il est terriblement stylé. Il est terriblement stylé. Le truc, c'est qu'il me touche pas, normalement. Je vais tenter une plénitude, les amis. On va tenter une plénitude. Voyons voir ce qu'il va nous faire, lui. J'ai pas l'impression d'avoir augmenté le jeu. Au pire, c'est pas grave. Défense spéciale et attaque spéciale, voilà, c'est ce que je disais. Il fait exécution. Okay. Ça peut faire mal, ça. Exuvation, ça peut faire mal. Défense spéciale... baisse, défense baisse, et son en contrepartie, il a son attaque qui augmente beaucoup, et son attaque spéciale qui augmente beaucoup. Donc je crois que ça fait plus 2 en fait. Genre tu perds plus 2 en défense et défense spéciale, mais tu gagnes plus 2 en attaque et attaque spéciale. Sauf que si t'avais simple, tu multiplierais par 2 les trucs, donc ça serait juste insane. Enfin tu serais... tu te ferais tuer en un instant, mais en termes d'attaque, ça serait génial. Sauf si juste derrière, tu mets la...
un objet, l'herbe blanche, là, je sais plus le nom que ça a, qui permet d'annuler les mauvaises stats. Donc en gros, tu enlèves le moins 2 en défense et défense spéciale, bref. De la stratégie, c'est super cool. Mais en tout cas, du coup, il devient menaçant. Je vais faire un saumur x4, ça devrait one-shot. Ok, il attaque en premier. Voyons voir les dégâts qu'il va faire. Par contre, à plus 2, ça peut faire très très mal. Que tu tankes, elle tank parfaitement. Let's go, let's go. En plus, il a fait Theory Force et on a eu un cran en défense spéciale, donc c'est plutôt pas mal. Ça a annulé son plus 2, ça fait plus qu'un. Enfin, voilà. On est bien, on est bien. Let's go. Allez, file. En plus, avec les restes, c'est parfait. Char qui rupte, je sais pas du tout ce que c'est, mais on va garder. Char qui rupte, char Thor. Oh, oh, il est cool. Il est tellement cool, mais tellement résistant à Saumur, du coup. Ah oui, au fait, elle a eu Teleri Force. J'ai oublié de le préciser. Mais du coup, je vais faire un frappe-ci. Je vais faire un frappe-ci parce que je pense qu'il doit être de type eau, sol, eau, feu, un truc comme ça. Tantôt, on a un psy, donc ça, frappe-ci, ça devrait suffire. Allez, on a plus 2. Ah, dommage. Ah, on a plus 1, pardon. Feu follet, c'est un peu chiant. Par contre, on est plus rapide, donc je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais taper. Et ensuite, on se soignera. Là on est plus rapide. Lunatique. L'attaque. Et l'attaque spéciale. Il avait tapé sur Telluri Force, donc ça nous arrange. Herbe blanche, voilà, on en parlait. Du coup il a perdu sa baisse d'attaque spéciale. Il a juste eu son attaque qui a été augmentée. Mais on est plus rapide. Let's go Phil. Ah ouais, les gros combats en fait ont des Pokémon qui ont un bon coverage, de bonnes attaques, du coup. Et. De bons objets. Donc, ouais, ça complique sincèrement l'épisode, forcément. Ça complique forcément le combat en lui-même. C'est tellement dur, j'ai vraiment pas l'habitude d'avoir ça, hein, clairement. On va rester, on est plutôt féroce, donc on est bon. Oula, Rigne, oh, il est beau. Mais j'ai Teleri Force. Du coup, t'es mort. Ah oui, là, c'est x4. X4, je crois. Parce que, ouais, il est roche, acier ou électrique. Je sais pas, mais dans tous les cas, c'est x4, donc c'est ciao. Ah, on est bien là, Phil. On est bien. En plus, bientôt, l'évolution. Voilà, level 39. Phil va évoluer, les amis. Parfait. Ça, c'est cool. Ça fait plaisir. Enfin, une évolution. Ça fait longtemps. Surtout qu'en plus, Phil va tellement être puissant avec son évolution. Ça va être insane. Golgo Tyran. C'est pas l'ultra chimère, ça? Anglo Tyran, ouais. Et Golgo Pass Golgo... Oh, ouais, c'est. Oh putain, oh la vache. ok. On va se soigner. Ah, j'ai oublié d'aller acheter des super potions, my bad. Est-ce que tu craindrais... Ah, est-ce que t'es type haut ou est-ce que t'es type proche Oula, vibre obscur. Non, ça peut faire mal. Ouf, oui, ça fait très mal. Mais on tank plutôt bien en réalité, donc... je tenterais bien le Teleri Force qui pourrait le tuer normalement. Je tenterais bien le Teleri Force. Allez, on va tenter, on est greedy. Teleri Force, c'est parti. Allez, on est greedy, let's go, on est quand même à plus 1, c'est Phil, ça déconne 0. Pff, ouais, on lui a fait super mal, mais lui aussi fait mal. J'espère que ça va passer avec les restes. Ok, avec les restes, ça passe, on peut du coup se soigner derrière, et on est bon. Ok, ouf, ouais, cette brûlure qui fait super peur en vrai, hein. C'est vraiment la brûlure qui fait peur, même si bon, elle nous affecte pas vu qu'on attaque sur le plan spécial. Ok, pour l'instant on est bon, pour un combat qui devrait être sincèrement compliqué... On tient le bon bout grâce à Phil. Ah, le problème, c'est qu'il avait obscur un coup critique et on est mal. Hein. Ça nous tue pas hein, s'il a un coup critique, mais on serait quand même mal. Mais ok, là, on tank et on peut le terminer, je pense. On peut le terminer malgré la brûlure. Voilà, heureusement, c'est pas l'empoisonnement, ça serait pire. Allez, Teleri Force, le dernier. Voilà, c'est comme ça, on le termine. Je sais pas si c'était son dernier. On est à combien de Pokémon, là? Le petit sweep de Phil était cool. On est à combien de Pokémon? Voyons voir ça. Les restes, bien évidemment, qui nous sauvent. Très intéressant d'avoir sur Phil les restes, clairement. Et il en reste un dernier, c'est un Kecleurior. Oh, est-ce que c'est Kecleon et Kecleurior? Et du coup, c'est juste un... du coup, je mettrai Mélodie. Oui, allons-y, on a Vampipoing. Du coup, ça serait x4. Vous allez pouvoir, du coup, voir le sprite de dos, qui est un peu moche, je trouve. Mais quand même, qu'est-ce qu'elle est classe. Qu'est-ce qu'elle est classe, en vrai. Oula, il est chelou. Il est chelou. Allez, Vampipoing. En vrai, j'aurais dû me transformer, mais bon, x4, je pense que... x2, pardon, je pense que ça tue du premier coup, voilà, forcément. Elle est sympa, Mélodie, hein. J'ai regardé, selon le wiki, entre guillemets, non officiel de la ROM, ça serait une fusion, alors de mémoire, c'est Guerriaigle, Munja, Meloetta, et Chauve-Sourire.
pour les ailes et l'auréole de Munja. Donc c'est stylé. Et je sais pas de qui on a le simple, le talent simple. Chauve-souris, peut-être ? Je sais plus. Bref, en tout cas, Phil évolue. C'est parti, j'ai hâte de voir son évolution, sincèrement. Oh, il va tellement être fort. Ah, ça fait plaisir, hein. Petit Opsi, là, avec de bonnes stats, défense. Ouais, c'est cool. Oula, oh oui, what? Oula, il a la grosse tête. Il a pris trop mes compliments pour... Il a pris trop la grosse tête. MDR, ok. Losing a battle won't deflate me, but I have to admit you're one true trainer. Nice. Voyons voir un peu les stats du coup de Phil maintenant. Il a pris la grosse tête. Excellent. Oh ouais, il est ridicule. voyons voir. Ah quand même, non pas vraiment. Hein. Pas vraiment. Il a pas, en comparaison à Melody, c'est pas trop ça. Hein. Ouais, surtout qu'en plus on a cette hausse d'attaque contre une baisse de défense qui ne fait aucun sens. Et sans attaque spéciale, bon après il y a la défense P. Ouais non, en vrai on n'est pas si tanksy que ça hein, en vrai, en comparaison à notre légendaire. Bon après c'est un légendaire donc normal vous allez me dire, mais tout de même, en vrai je m'emballe un peu pour rien. Mais bon, c'est quand même un bon Pokémon. Quoique après, non c'est vrai quand même que c'est censé être un Manaphy à la base, hein, donc ouais, un peu, ouais, on pourrait s'attendre à mieux. Mais bon, quand même, très intéressant, puis Opsi en soi c'est plutôt bon comme double type je pense. Donc on est bon, plus on a plénitude, donc de quoi est-ce qu'on se plaint? En tout cas, ouais, 3 légendaires dans l'équipe, enfin 2 fabuleux et 1 légendaire. On est plutôt bon, hein, on est plutôt bon. Ok. Bon, même si... Ok, attendez, je reviens, je vais me soigner les gars. Bon, ouais, je les avais vus en arrivant, bien évidemment. Même si après, c'est vrai qu'on rigole, parce que effectivement, Meloetta, du coup, est de type Psy-O, enfin, type Psy-Vol, là où on a Phil, qui est Psy-O, et Jean-Paul, qui est de type Feu-Vol. Donc, encore une fois, on a des types en commun, mais le truc, c'est que j'y réfléchis, c'est que Jean-Paul va bientôt évoluer, et normalement, il devrait évoluer, du coup, en Archiduc. C'est Archiduc ? Archiduc, hein. Oui, normalement, c'est Archiduc. Et lui, il est Spectre, il est hyper son type Vol, donc normalement, il devrait être Feu-Spectre, notre petit Jean-Paul, à la fin. Donc au final, je récupère le type en commun avec Abigail. Oh, quel bordel, c'est chiant. Allez, c'est parti. En tout cas, je devrais peut-être mettre Jean-Paul, justement, pour qu'il gagne son level et évolue. Ça va être un combat double, je présume. Donc espérons que ça se passe bien. Après, ce sont des traîneurs qui sont normalement pas importants, donc ça devrait bien se passer. Allez, c'est parti. Eh, hey, minute, vous faites quoi, là? Rien de spécial, on admirait la vue. On te retourne la question, t'as un problème? Ouais, vous faites rien? Mon œil, sale voleur de Pokémon, je vous pardonnerai jamais. Numérotez vos abattis, parce que j'ai grave la haine là. Eh bien, les dresseurs sont pas commodes de nos jours. On n'a rien contre toi, mais tu mérites bien d'être mis à ta place. On va t'apprendre la politesse, vite fait, bien fait, mon gamin. Eh, hey, Jaco, hey, je compte sur toi. Ah non, ça va pas être un combat double. Mais ok. Allez, c'est parti. Team Plasma, nous voilà. Quelle insolence! Eh oui, ferme ton claque merde. Ça va bien se passer. Allez, c'est parti. On vient d'affronter Adrienne, à côté, je pense que ça devrait aller. Tyranoir, ouh, Tyranocif. Sympa, très très sympa. Spectre Roche, je présume. Pression, ça c'est chiant. Spectre Roche, on a Pince Masse, je pense que ça devrait être super efficace. Tentons ça, c'est bel et bien super efficace, nice. Ok, Midlife, Giga Sensu, ça va pas faire trop de dégâts. On est plutôt bon. Ah ouais, clairement, on est vraiment, vraiment bon. Tyranoir, en plus, ça vaut pas mal d'XP, ça, je présume. Allez, tue-moi ça, Jean-Paul, s'il te plaît. Let's go. Nice. Allez, espérons le level 36. Le level 36. Oui, le level 36. 2436 points d'XP. Effectivement, ça rapporte beaucoup. C'est nice. Bazakuvokavol, what the fuck. Oui, c'est le Pokémon Plante-Vol. Plante-vol. Je sais qu'il est faible au bomberk de... ouais, allez, on va pas tenter le diable. Je sais qu'il est faible au bomberk de Abigail, donc envoyons Abigail. T'as rien de cogiter. Parti. Bazooka vol. Let's go. On aura eu 2 évolutions, du coup, si tout se passe bien. C'est cool. Allez, bomberk. Je sais que tu crains. Le type vol ne te fait pas résister à cette attaque. Ouais, one shot. Ouh, tranquille. Tranquille. Ensuite, dernier Pokémon, tu nous envoies un Astrobios. Ok. Je ne sais absolument pas ce que c'est. Est-ce que j'enverrai pas ma petite Mélodie?
C'est un peu son épisode à elle aussi. Allez, c'est parti. J'adore son creep, j'adore son creep. Astrobios. Waouh, insane. Ok. Insecte psy. Une bonne attaque feu. Ouhou, on a acrobatie. Ciao, ciao. Le problème en fait avec Melorita, c'est que t'es obligé de gaspiller un tour avec une attaque minable pour pouvoir switch en fait ta forme en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en vrai, au vu des stats, j'ai envie de vous dire que j'ai presque envie de remplacer champ antique par si on pouvait avoir croissance par exemple qui augmente d'un cran l'attaque spéciale comme je l'ai dit, ce serait insane en vrai. Et pas besoin de changer de forme je pense. Bref, en tout cas, Jean-Paul évolue. Seconde évolution, les amis, ça fait plaisir. Alors, en tout cas, c'est mon petit Jean-Paul, donc j'ai vraiment, vraiment hâte. Allez, allez, montre-nous ta beauté en tant que Brazigali mélangé à un archiduc. Je veux voir ça. Allez, dis-moi que t'as un arc dans les mains, ça serait trop, trop stylé. Allez, 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 non, pas d'arc. Malheureusement, il a l'air d'être insane, il a l'air d'avoir une cape. Oh, oh, je le trouve tellement classe. Il est Brazéduc, il est tellement stylé. Et il va prendre dans Danseflume, non, ça sert à rien malheureusement. Garder les anciennes capacités, oui. Danseflume, ça baisse l'attaque de tout le monde et ça les rend. Enfin, non, ça les rend confus. Mais dommage. La défaite, l'horrible défaite, comme il y a 2-1. Allez, second dresseur, à mon tour. Moi aussi, j'ai un Pokémon volé que j'ai bien entraîné. Il va te retourner comme une crêpe. Ok. C'est bon les crêpes. J'aime bien les crêpes. Je veux bien une crêpe d'ailleurs. Quoi qu'on est plus en hiver. Oh, c'est pas grave. Même en été, j'en mange. Ok. Et les signes. Et les Dell et l'Acme signe. Waouh! Magnifique! Mais. Pouah, on est encore plus beau! Et on a étincelle, donc c'est parti! On est devenu du coup. Feu spectre, je tiens à le rappeler. Waouh! Ok, on l'a défoncé! Ah, on est stylé en vrai, je trouve qu'on est stylé! Hein. Ça, c'est classe! On dirait une sorte de super-héros indien, vous savez, genre avec. Je sais pas pourquoi ça me fait penser à un indien, ouais! Avec la... Tu sais, vous savez, les grands chefs, ils ont une espèce de coiffe de bison, peut-être, je sais plus ce qu'ils ont, mais avec leurs plumes, ce genre de choses, je sais pas, mais franchement, c'est ce que ça me fait penser, mais c'est trop cool, du coup. j'ai pas vu, du coup, le prochain Pokémon, malheureusement, on va garder Jean-Paul, de toute manière, il est un peu long en termes d'XP, comparé aux autres, dû au fait que je voulais vous le faire évoluer. Ça, on avait dit que c'était de type sol, poison. Tentons une pince-masse, voir si c'est pas super efficace. Ouf, oui. Et chute glace. Ah bah on a perdu notre type vol, donc c'est juste pas très efficace. Parfait. Deuxième pince masse. Ça rata, dommage. Serge d'os. Ça fait mal par contre. Ouf. Oh j'ai cru que ça tapait une 3 fois. Ah non, ça pouvait taper plus. Oh, on a échappé belle du coup. On l'a échappé belle. Est-ce que je mettrai pas fil pour voir un peu à quoi il ressemble? Oui. Allez. Viens petit fil, montre-nous ta beauté. Allez, voyons ça. De dos, c'est sympa. En vrai, de dos, c'est sympa. Tant qu'on voit pas sa tronche, tout va bien. bien évidemment, les restes. C'est cool. Ok. Bah, petit saumur. Ça devrait largement terminer. Ça devrait largement terminer. Parfait. Plus qu'un Pokémon? Il en avait 3, lui, aussi? Je sais plus. Voyons voir. Ouais. 3 Pokémon, ok. Ok. Qu'est-ce que t'as en dernier? Montre-nous un truc pas mal. Ectokazam. Ouh, bah voilà, ça, c'est stylé. Ça c'est stylé. Psy Spectre. Est-ce que j'ai contre ça? Et Victoria à la limite. Hein. Ramène Victoria, je pense que ça craint. Je pense qu'il perd pas sa faiblesse à l'insecte normalement. Ouais. Let's go. Ectokazam, voyons voir ça. Oh! Ah ouais! Ah c'est marrant, il a des Fantominus à la place. Oh c'est stylé. Franchement c'est stylé. Il est sympa. La vive griffe qui nous permet d'attaquer en premier, c'est cool. C'est pas très super casse. Ok, bon, on l'a tué. C'est vrai qu'il est faible. Il est très peu résistant et machin truc, donc forcément, on l'a tué facilement. Je m'étais trompé sur toi. Tu es vraiment balèze. Bah, merci. Impossible. Ça fait deux ans que je m'entraîne. Ouais, bah, tu peux retourner t'entraîner. Se faire battre par deux moucherons, c'est dur à avaler, mais bon, les petits prodiges méritent bien une petite récompense. Alors écoutez bien, nous sommes à la recherche d'un objet qui nous permettrait de faire des choses, mais des choses vous n'imaginez pas. Alors heureux de savoir ça, au plaisir. La fuite, bien évidemment, c'est ce qu'ils connaissent le mieux. Ok. Ah. Instant émotion, les amis. Il y a 5 ans, la frangine s'est fait voler le chakripan qu'on lui avait offert. À cette époque, j'étais qu'un gamin, j'ai rien pu. Je m'en suis tellement voulu, mais... Jurez que je prendrai ma revanche un jour.
Bah, en tous les cas, chapeau pour cette rouste qu'on leur a mise. T'as du talent, tu sais. Pas tout ça, mais... Ouais. Tout est clair pour toi, hein. Tu remplis ton Pokédex et tu t'améliores pour pouvoir m'aider, hein. Je compte sur toi, mon ami. Je t'aime. L'instant émotion est terminé. Retournons beauté des culs. Je vais aller me soigner. Ah non, non, il nous a soigné, pardon. Donc on peut enchaîner. Bah franchement, c'est cool, hein. Ça faisait un... C'était un bon épisode, hein. Moi, j'étais plutôt en forme, donc c'était plutôt cool. J'ai peut-être changé aussi quelques trucs sur le micro, sur le son, donc n'hésitez pas à me dire, hein, si vous appréciez, ou si vous, j'ai fait de la merde et que vous voulez retourner en arrière, n'hésitez pas. Ouais, en tout cas, attendez, je vais revoir juste Jean-Paul. Ah ouais, c'est vraiment un super-héros indien, je suis désolé je sais pas si j'offense quelqu'un en disant ça, mais voilà quoi, genre je le trouve vraiment trop classe, sincèrement. Il est beaucoup trop stylé. Mais du coup, on a accès... Oh tiens, c'est quoi ça? Je suis pas allé visiter. Petite arme... Ah non, si, le... Non, si, attends. Je suis pas allé visiter cet endroit-ci. Est-ce que je l'ai fait? Bon, c'est pas important. Je verrai ça de mon côté. ok, bon, on va quand même regarder à gauche ce qu'il y a. Voir s'il n'y a pas une zone. C'était un excellent épisode. Hein. Clairement, là, il n'y a rien qui... Tout est bien... Tout s'est bien passé. On a eu deux évolutions. Incroyable. Incroyable. Eh oh! Oui. Ça faisait longtemps. Eh, hey, tu tombes bien, j'ai un truc pour toi. Amen! La CS vol. Parfait. Tada! La CS vol, si tu l'utilises en dehors du combat, c'est une capacité qui permet de vite te rendre à l'endroit ou de ton choix, généralement devant un centre Pokémon. Eh, Jaco, tu connais les trous cachés? Non? Eh ben alors, écoute bien. Parfois, entre les armes, tu peux trouver des trous qui peuvent se cacher des Pokémon. Ces endroits, on les appelle des trouvés cachés. Ok. Attends! Oui? Moi bon, j'imagine qu'elle sent le Pokémon, tu vois, genre elle l'entend pas le son. J'ai entendu quelque chose, j'ai Louis Trifine, alors je suis sûr de moi, viens voir. Non, non, je suis sûr que c'est la bouffe, hein, parce que, enfin, c'est le nez parce que justement tu aimes la bouffe. Ok. Une tourette cachée à votre avis, est-ce que la ROM hack ferait qu'on ait des Pokémon très spéciaux là-dedans? Pourquoi pas, ça serait intéressant, voyons voir ça. Allez, allez. J'ai entendu quelque chose par ici. Oui. On met du temps, hein. Ah, je crois qu'elle a trouvé. Ah, c'est là! On dirait qu'on peut s'y faufiler. Regarde! Ah, tiens, on dirait qu'il y a un passage praticable. Pouvez-vous vous y faufiler? Oui. Ça, ça faisait quoi si on mettait non? Ah, c'est tellement classe. Oh! Oh! Oh, je crois que c'est. On l'a déjà vu! Je crois qu'on l'a déjà vu. Merde, le bébé de Ronflex. Goinfrex? Goinfrex, je crois qu'on l'a déjà vu, les amis. Je crois qu'on peut avoir un Pokémon insane. Trop bien. Un Pokémon! Ça doit être un sacré Pokémon pour se cacher dans un endroit pareil. Oh, tu l'as dit. Quelle découverte! Quelle superbe découverte! On devrait fouiller les autres arbres pour essayer de trouver d'autres trouées cachées. Ok, ah oui, non, alors ça, je le veux. Ah ouais, Goinfrex! Ça pourrait être insane, ça pourrait être insane. On est plutôt en forme. J'aime beaucoup la musique, très calme, très chill, très sympa. Je regarde juste au niveau des Pokéballs, je suis bête, c'était le premier sac. Lux Ball, on en a encore, on a encore une Rapide Ball au pire. On a 30 Pokéballs. Pas beaucoup de Pokéballs, mais ça devrait le faire. Allez, c'est parti! Voyons voir la fusion de Goinfrex qui est un... Ah non! Dommage! C'est le Topifroid. Mais quand même, je l'aime bien. Mais quand même, j'aime bien. Le truc, c'est qu'il est très fragile. Enfin, c'est dommage. En vrai, je suis très content parce que je trouve la fusion très très cool. Et je crois que j'avais vu la... Je crois qu'on avait vu l'évolution qui était elle aussi très très drôle. Avec trois trios... Enfin, avec un trio piqueur dans une théière. Enfin, c'était assez rigolo. Mais dommage, vraiment, si on avait eu le Pokémon que j'avais dit, ça aurait été insane. Parce que je crois que... Je crois qu'on avait vu, ou alors je l'ai vu moi dans les autres herbes, un Goinfrex mélangé à un Paraikul. Imaginez Ronflex mélangé à Vigoroth sans le talent de Vigoroth. Incroyable. Et on a capturé le Pokémon Topifroid. Parfait. C'est un mâle. Il faut pas se tromper. C'est un mâle. On va l'appeler... Omnibulé par sa quête incessante de sa nourriture, il oublie parfois qu'il en a caché dans sa fourrure. MDR. Sol... Sol, putain, Sol Ghost. Bah oui. Bah oui, encore un Pokémon qu'on a, un type qu'on a déjà, forcément. Ok, alors, comment est-ce que je vais t'appeler? Ok, les amis, je vais l'appeler Thierry parce que ça me fait penser à une théière, tout simplement. Moi, je cherche pas loin, vous savez. Ok, voyons voir ce petit Pokémon. Il y a un objet, d'ailleurs, voyons voir. Poudre éclair, c'est de la merde, bon, c'est pas grave. Pudique, qui va rien faire, ça. Cool, armure rouillée, un coup physique, baisse la défense, mais monte la vitesse. C'est très, très dangereux d'avoir ce talent. Surtout qu'en plus, on a des stats de merde, ouais, on peut le dire. Balle météo, Mawashi guéri encore. En vrai, je suis pas saucé, les amis.
C'est vrai que ça pourrait être intéressant d'avoir un type sol, mais je suis pas saucé, je pense qu'il va rester au PC pour l'instant. Ça pourrait être un bon Pokémon de backup, mais pour l'instant, on est plutôt bien. Par contre... Attendez une seconde. Est-ce que c'était une zone à part ou non? C'est ma question. Non. Il n'y a pas de marqué de trouée cachée ou je ne sais quoi. Donc malheureusement, on vient de gaspiller notre zone. Hein. Donc, ah, bon, si je suis tenté de voir, qu'est-ce qu'on aurait pu avoir? Ah, dis-moi qu'on n'a pas un légendaire, dis-moi qu'on a de la merde, dis-moi que c'est un Pokémon nul à chier. Non, en vrai, il aurait pu être cool. Il est très rigolo. Mais type eau poison, donc on a déjà un Pokémon de type eau, donc c'est encore la même histoire. Hein. C'est encore la même histoire. Bref, bon. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire si on continue sur la route? Pas forcément envie de faire des combats. En vrai, c'était un excellent épisode. En vrai, j'ai envie de m'arrêter sur cette lancée. C'était si bien. Deux évolutions. L'épisode est, ma foi, plutôt sur une bonne durée. J'ai pas trop de montage qui m'attend. Des combats intéressants. Un ultra. Enfin, le combat d'Adrian qui était super cool et qui s'est super bien passé avec Phil. Deux évolutions. Si je passe par là, je pense que je peux avoir un objet. Au revoir. Ah. Quoi? Pourquoi le Vokit sonne? Ah, est-ce que c'est la demoiselle? Ah, bah parfait. C'est ça. Allô, j'aimerais parler à Jaco, s'il vous plaît. Ah, les voyages, vous aimez? Cela a l'air tellement intéressant, je devrais peut-être m'y mettre. Oh, je dois retourner au travail, on m'appelle. À bientôt, au revoir. Elle m'a déjà appelé une fois et c'était pareil, hein, c'était ridicule. C'était vraiment ridicule. Surchauffe! Intéressant, et qui peut apprendre? Attends, est-ce que c'est pas une bonne CT, ça? Je sais plus. Je crois que c'est pas mal, hein. 130-90, waouh! Ouais, mais ça baisse l'attaque spéciale, c'est un peu à double tranchant. Qui pourrait l'apprendre? À part Jean-Paul, bien évidemment. Abigail? Phil? Oh! Oh! Non, on a déjà Telluriforce qui est largement intéressant. Ouais, bon bah dommage. Bref. En tout cas, je voulais m'arrêter là. Effectivement, on a encore plein de dresseurs là qui nous attendraient. Avec le combat trio en plus, je crois, oui, c'est vrai. Et puis après, on arrive à Port-Yonneuve. Bref, l'aventure continue, les amis. C'était un super épisode. Je vous avouerai, ça fait deux épisodes de cela que j'en avais pas tourné d'aussi bien, où il se passe vraiment comme je... où les choses se passent comme je voudrais, enfin, alors, là, c'était parfait, j'espère en tout cas qu'il vous aura plu, j'espère que la série vous plaît toujours, bien évidemment, les fusions, c'est génial, d'ailleurs, je fais peut-être un instant promo, mais parce que c'est le même créateur, donc je me dois de faire ça, il n'y a pas que Volt White de fusion qui existe, il y a aussi Horror's Gold fusion qui existe, c'est donc le même créateur, pratiquement les mêmes fusions, voire d'autres fusions, donc plutôt cool. Et si vous êtes intéressé par un let's play de ce jeu, donc de l'autre version, eh bien je vous recommande Fildrong, qui est un youtubeur, ma foi, plutôt connu. Je crois que c'est celui le plus en vogue en ce moment, je crois. Je crois que c'est celui qui marche le mieux en termes de let's play actuellement. C'est super drôle à l'écouter, il rage, enfin c'est vraiment rigolo. Donc je vous invite à aller voir si vous êtes intéressé par Horror's Gold Fusion, ou si tout simplement vous voulez tester la ROM de votre côté, eh bien ça se trouve en description pour tomber sur le Discord du créateur et avoir tous les renseignements que vous avez besoin. Bref, en tout cas les amis, pour ma part, je vais m'arrêter ici, et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée, une excellente fin de semaine qui arrive. Je vous dis à la prochaine, c'était Jaco pour vous servir, et en attendant, des bisous tout le monde, ciao ciao! Il est trop stylé, mon super indien, je l'adore. Mais c'est tellement offensant de dire ça, enfin je sais pas. Ah, tellement stylé Jean-Paul, tellement stylé. Oh, et Phil n'est pas en reste, hein, même s'il a pris la grossette, mais cool quand même.